We are en route to Malpelo. Malpelo is a remote island, 500 kilometers on the west coast of Colombia, and it is a real sanctuary for hammerhead sharks. One of the few places in the world where you can see so much. But before we go diving with them, I would like to jump back 6 years before, when I went the last time to Malpelo in 2013, when I had the chance to meet an aggregation of silky sharks. No one knows why they come here at this time of the year. This aggregation lasts for a couple of months, but no one knows why. So it is one of the mysteries of the oceans. And for this trip, we are very lucky because we get with us Sandra Bessudo, who was a former Minister of Environment from 2012 to 2014. But she's also the director of the Malpelo Foundation. Je suis biologiste et je suis la fondatrice et directrice de la Fondation Malpelo et autres écosystèmes marins. J'ai créé la Fondation Malpelo pour aider les institutions, le gouvernement à protéger ce sanctuaire de faune et de flore. Quand j'ai commencé, ce n'était pas une aire marine protégée. Et en travaillant, on a réussi que le gouvernement le protège, devienne un site de patrimoine mondial de l'humanité, en plus d'un sanctuaire de faune et de flore. Et ce rocher qui monte à 300 mètres de haut va jusqu'aux 4000 mètres de profondeur. Donc Malpelo, cette île au milieu du Pacifique oriental tropical, est un des endroits où l'on trouve les plus grandes concentrations de requins, mais surtout est reconnu pour les requins marteaux. Donc, ces requins marteaux voyagent entre les îles du Pacifique oriental tropical. Le problème majeur que l'on a ici à Malpelo, c'est définitivement la pêche illégale. Et pour surveiller Malpelo, on a les 5 gardes de l'armée nationale qui habitent sur l'île. Et nous avons aussi 2 fonctionnaires et des parcs nationaux qui viennent non seulement sur les bateaux de croisière, de plongeurs, mais aussi sur les bateaux de la marine pour faire la surveillance. Et notre aire marine protégée fait 27 000 km². Ah, 27 000 km², 5 gardes. 5 gardes pour 27 000 km. Vous êtes très fort en Colombie. The secret of the operation is in the rebreather. This gives more diving time and less risk of decompression accident. And of course, we can get close to the animals because we make no bubbles. Didier, on va aller au sec de Suani. D'accord. C'est un sec qui est au sud de Malpelo. Et c'est un très bon site. C'est différent de tous les autres secs de Malpelo. D'accord, très bien. Hein? Ladies first. Non, mais moi je vais prendre tout le matériel. Alors oui. Bon. Right, okay.
Ay, pollito, pero viste que hay allá está horrible, ¿no? Okay. One, two, three. First day it was not bad, not so many hammerhead sharks. I remember when I came here 6 years ago, I saw a lot more. Is it because it's just a day like that, or is it because the shark population is in danger? We need to dive a bit more. So let's see what will bring the next days. Yes, it will be a pity if the shark would disappear from our planet. And it's such a beautiful animal, so I hope that our generation will not bring them to extinction. We have done enough damage on our planet. It's really time to change this now. We can't wait more. We have to do this now.